Le premier gala de la Disque nous a offert un numéro d'ouverture assez exceptionnel, oui. Une performance qui a mélangé les genres. Si toi, tu avais ton propre numéro d'ouverture, avec quel artiste t'aimerais sortir de ta zone de confort? Jean Leloup. Mais je l'aime trop, là, c'est pour ça. Plume la traverse. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire. Il m'a même déjà écrit une chanson sur mon premier album. Et je pense que nos univers pourraient se mêler à merveille. Mais ça, je te réponds ça à brûle pour point. Ça aurait pu être quelque chose d'autre. Tu me l'avais demandé dans 10 minutes. Fait que, ouais, Plume, je pense que ce serait drôle. Et C'est sûr que là, ce serait au goût du jour, mais j'aimerais ça le rapper. Ouais. Mais ça pourrait être intéressant. Ça serait cool, non? Ouais, vraiment. Ouais, j'aimerais ça. Je serais capable, je pense, avec un peu de travail, parce qu'il y a du verbe là, dans ces chansons-là, mais avec qui? Laurence Nerbonne, un duo de filles, c'est ça que je ferais. Ça oui. pourrait être intéressant. Oui, exact. C'est à noter. Exact. Wow, ça c'est une bonne question. Il y a beaucoup d'artistes québécois qui m'inspirent. Je sais pas honnêtement qui je pourrais choisir, mais je pense que choisir un peu des artistes qu'on n'entend pas nécessairement beaucoup, mixer avec des artistes qu'on entend plus pour vraiment faire une diversité, pouvoir mixer tout le monde, je pense que c'est important. Je pense que plus que dans la diversité, que ça soit anglophone, francophone, peu importe, je pense que ça serait vraiment important, mais c'est sûr que beaucoup d'artistes québécois, c'est sûr. Merci beaucoup, bon gala. Pour sortir de notre zone de confort, je sais pas exactement, c'est une question qu'il aurait fallu nous poser il y a 10 minutes pour que j'aie le temps d'y réfléchir. Safia Nolin, j'aimerais ça faire d'accord avec elle. Les Sœurs Boulées. Mais les Sœurs Boulées, ça ne nous sortirait pas tant de notre zone de confort. Ouais, oui, puis non. En fait, on montrait quelque chose de vraiment bien. Ouais. Moi, je pense que ce serait vraiment bien intime avec beaucoup d'harmonie vocale. Ouais. Ça ne nous sortirait pas nécessairement de notre zone de confort. Peut-être plus Safia. Avec Jean Leloup, ça nous sortirait de notre zone de confort. Ça serait, ça serait l'occasion. Ça serait épique. Ça serait épique, ouais. Ça serait l'occasion de faire un numéro avec une légende vivante. Ozzy Osbourne aussi, ça nous sortirait. Mort ou vivant? N'importe, juste comme tu veux. Assurément, John Lennon. Ouais, John Lennon, assurément. Ouais. Sinon, mettons au cinéma, Charlie Chaplin. Avec quel artiste? Mettons que je reste dans la catégorie où j'ai été nominé, je te dirais The Brooks. Parce que c'est un band que j'adore. Je pense que c'est un des meilleurs bands à Montréal. Honnêtement, je vais y voir souvent le spectacle, puis je trippe. Les gars sont super fins, sont super simples, sont humbles. C'est des real guys, puis j'aime cette gang-là, puis j'aime leur style de musique. Probablement Alexandra Streliski, et faire quelque chose de complètement innovant, qui serait à la fois instrumental et vocal, peut-être même sans parole, pour être à la fois, moi aussi, être un instrument comme elle. Quelle bonne question! C'est une magnifique question. Il y a la belle Roxane Bruno qui a émergé cette année, je pense qu'il crée le buzz. Hein. Il doit en avoir plein qui disent Roxane. Roxane a quelque chose, elle est minuscule, je l'ai vue. Elle est toute petite! Elle est mignonne, elle est toute petite. Mais elle a tellement de drive, elle a quelque chose de vraiment le fun. Il y a des grands noms, il y a des gens, des Ariane Moffat, des Pierre Lapointe, qui sont, on les sent un peu plus inaccessibles du fait qu'ils sont tellement prisés dans l'industrie. Moi, je viens du pop, donc je suis un petit peu plus près de ma gang de chums, des Marc Dupré, les deux frères et ces gens-là. Mais moi, je serais pour qu'on fasse des connexions, des choses qui se peuvent pas. Tu sais qu'à La Claire ensemble, je chante avec Mario Pelcha, tu sais, Marie-Hélène Thibert avec Loud, tu sais, des affaires de même. Ça serait cool, non? Fait que moi, j'aimerais collaborer avec des gens qui sont pas nécessairement mon style, tu sais, chanter avec Claude Bégin ou, tu sais, des trucs comme ça. Fait que ça, c'est le genre de truc qui m'allumerait, je pense. C'est super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Galère. Quel artiste? Ça peut être n'importe quel artiste sur la planète. Quel artiste j'aimerais? Charles Gardin. Juste parce qu'elle était vraiment belle à soir. Je pense pas que j'aimerais ça me sortir de ma zone de confort. Je pense que j'en profiterais. Donc, Corneille. For sure, Corneille. Camaro. Peut-être Fouki. Puis Ariane Moffat. Oh my God! Justement, avec Salomé, que j'aime beaucoup, qui est passée il y a pas longtemps. Il y a Sarah May aussi que j'aime bien, Sarah May Ouellette, qui est justement nommée en révélation de l'année. Fait que voilà, ça c'est une collaboration qui me plaît. D'ailleurs, il y a quelque chose qui s'en vient sans trop, mais en tout cas, déjà, j'ai dit un peu trop d'informations. Il y a aussi Rhymes que j'aime beaucoup, mais là, on reste dans le rap. Mais, numéro 1, Hubert Lenoir, ça je trouverais. Ariane Moffat aussi, qui était ma coach à la voix. Mais là, il y en a plein, là. Je peux pas tout nommer. Jean Leloup, ce serait débile mental. La liste continue comme ça. Hein?
Moi, j'aurais aimé ça performer avec... Bien, pour avoir commencé mes débuts avec Soja dans la ville à Québec, avec Soja, haut la main. Vraiment. Oh mon Dieu, ça nous ramènerait tout le temps quand j'étais jeune, là! Ouais, avec Soja. Amplement. Bien, c'est un peu un grand rêve, mais ce serait avec Richard Desjardins. Parce que depuis longtemps, j'avais monté une version de « J'ai couché dans mon char », c'est une chanson de Richard Desjardins que je fais en harmonie, puis ça serait comme un rêve de gamin que ça arrive, mais écoute, c'est une chance sur un million, mais faut continuer à rêver, hein? Oh, mon Dieu, c'est une question piège! C'est une question piège! Je pense que j'essaierais justement de mélanger les genres. On fait toute la musique, hein? Fait que, puis je pense qu'on est dans une belle ère pour ça. Parce que le rap commence à prendre de plus en plus de place, mais en même temps, tous les autres styles de musique aussi sont encore présents. Fait que ouais, je pense que je mélangerais les genres beaucoup. Mais je peux pas dire avec qui, c'est trop intense! Ah mon Dieu, j'ai-tu le droit de mélanger les genres aussi? Puis nommer comme mes artistes of all time préférés. Moi, j'aurais du Jewel puis du Britney Spears mélangés ensemble. Avec, si j'allais dans le Québécois, peut-être une espèce de Rivard avec Marie-Mé. Tu sais, le folk, la pop, ouais, je ferais quelque chose d'assez éclaté avec des artistes que j'aime. Oh mon Dieu! C'est la première idée, c'est Marjo. Je sais pas, tu sais, la jeunesse, je pense, rock avec une pionnière du rock. Ouais, je pense que ce serait Marjo. Ben, j'aimerais beaucoup chanter avec Gilles Vigneault. De loin, c'est lui. C'est avec lui que je voudrais le faire. Ouais, voilà, ma seule réponse. Ah, c'est une bonne idée. Mais cette année, j'ai eu vraiment un coup de cœur avec les louanges. J'ai écouté son album quand à sa sortie. J'ai immédiatement eu un coup de cœur. Donc, évidemment, les louanges. Sinon, écoute, cette année, je trouve que c'est girl power. Les filles sont tellement bien représentées au gala. Elles ont fait des albums exceptionnels. Donc, ce serait avec les filles du gala qu'on va voir ce soir qui vont probablement gagner. Puis, ouais, c'est ça. Puis, surtout, je vais en profiter, moi. Je suis bien spectateur aussi. Là, pas obligé. C'est trop stressant, le numéro d'ouverture. C'est bon. j'ai une grosse amour pour Billie Eilish. Fait que si je pourrais choisir n'importe qui de tout le monde, ça serait 100% Billie Eilish. Oh my God! Oh, la question! Moi, j'irais avec Blue Jeans Bleu en partant, là. Blue Jeans Bleu, puis qui? Je sais pas. Pierre Lapointe. Voilà. Bonne réponse. Je vais y aller pour... Attends une minute. Avec les louanges. Je vais y aller avec Chocolat et Patrick Normand. Ben, merci beaucoup, mon gars-là. Aïe, ben moi, j'irais vraiment avec toute la gang de rappers. Je suis vraiment contente qu'on leur fasse enfin une place sur nos galas parce que pour moi, ces gars-là, c'est des poètes qui travaillent aussi fort, peut-être même plus fort que nous parce qu'ils n'ont pas eu les médias traditionnels dès le départ. Fait que je pense que je pognerais toute Loud, Corias, Fouki, Soja, toute la gang. Moi, ça me ferait vraiment triper. Avec quel artiste j'aimerais me performer? Je performerais avec Cœur de Pirate, avec Charlotte Cardin. Avec qui d'autre? Avec Marc Dupré. Tout ça. Faut-tu t'en aimer plus que ça? Avec quel artiste j'aimerais performer? J'aimerais beaucoup performer avec Jean Leloup un jour. J'aimerais avoir cette chance-là. Je sais que lui, c'est une fois de temps en temps qui fait des sorties, mais peut-être que ça serait le fun, ouais. Oh, c'est une bonne question, ça. Sortir de ma zone de confort. J'irai avec une grande, grande voix. Laurent Fabien? Plume la traverse. Oh mon Dieu, c'est une excellente question. Je pense que j'aurais bien voulu les louanges, Sarah May. En fait, je pense que aussi que les univers sont différents, c'est le fun d'avoir un mix de couleurs. Et je pense que c'est ça qui est le fun dans un gala comme ça. Donc, tous ces gens-là qui sont plus différents de mon univers, ça me ferait vraiment plaisir. Et jusqu'à où? Un artiste local, vivant, mort. Il n'y a pas de limite. OK, moi, j'aimerais ça faire un numéro de hip-hop, genre, je sais pas. Ah ouais, OK. I don't know. Oui, OK, oui. If it's like crazy, si c'est genre vraiment des... Mac Miller. N'importe qui, là. Mac Mais Miller ou David ou Bowie. Non, pas nécessairement. OK, n'importe qui. Ah, moi, je vais faire un numéro avec Tracy Chapman, on va dire. Puis Matt. Ouais. Puis Gab. Yeah.